On va faire une masterclass de brume réveil régénérante. C'est quoi une brume? Alors, une brume, c'est tout simplement un spray avec à l'intérieur un liquide aqueux, un mélange d'eau, que l'on va appliquer le matin, vous savez, pour réveiller sur les cheveux, sur le visage? Sur le visage. Vous savez, le matin, on n'a pas toujours envie de nettoyer sa peau si on l'a fait la veille. Un petit brumisateur comme ça pour nettoyer votre peau avec un petit coton ou à la fin de vos soins pour vous donner un petit coup de fraîcheur le matin, c'est toujours agréable. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, Ariel. D'accord. Ariel, est-ce que vous avez des secrets de beauté, vous? Dites-nous tout, Ariel. Alors, je suis sûre que vous en avez. Secrets de beauté. Déjà, là, donc, c'est cette sorte de rosée qu'on va se mettre. Ça vous plaît, c'est sûr. Ça me plaît, le concept. Mais finalement, secret de beauté qui est le plus facile, c'est quand même de dormir suffisamment. Oui. Je suis d'accord avec vous. Beauty sleep. Oui. Rien ne vaut le beauty sleep. Et la bonne conscience. Coco Chanel disait que c'était la meilleure crème de beauté. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Ça détend les traits. Alors, je vais vous montrer ce dont on a besoin. Donc, il nous faut de l'hydrolat de fleur d'oranger, hydrolat de rose de mai, il nous faut hydrolat de carotte sauvage. Il nous faut ensuite de l'hydrolat de camomille et du Cosgar, qui est un conservateur naturel. Et là, vous me dites, mais Sandrine, mais qu'est-ce que c'est un hydrolat? Mais oui, qu'est-ce que c'est un hydrolat? Il y a hydre, c'est de l'eau, c'est de l'eau de... Exactement, c'est un liquide donc aqueux à base d'eau qu'on va obtenir par distillation d'un produit naturel, en l'occurrence des plantes. Et distillat. Voilà, en fait, c'est par un phénomène d'hydrolyse qu'on obtient donc l'hydrolat, tout simplement. Donc, pour vous faire simple, c'est un peu le même procédé que pour les huiles essentielles, sauf que c'est pas aussi concentré. Donc, on peut le mettre sur le visage, ça va pas irriter la peau. D'accord. Est-ce qu'on peut le mettre sur les enfants aussi ou c'est... Mais oui, bien adultes. Sûr, Caro. Ouais. On peut le mettre sur les enfants, contrairement aux huiles essentielles, hein, pas sur le visage, je vous le dis à chaque fois. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par peser nos ingrédients. Donc, vous allumez votre balance. Oui. Ouais. D'accord. Vous mettez le petit bol dessus, qui est vide. D'accord. Celui qui est vide. Et vous la remettez à zéro, n'est-ce pas? Vous remettez votre balance à zéro. Et on va commencer avec 30 grammes d'hydrolat de fleur d'oranger. Ça sent bon. Ça sent très bon. Et la fleur d'oranger, c'est un tonique très, très doux. Oui, mais attention, il faut déjà savoir combien pèse. Alors, c'est pas la peine de prendre la seringue, Ariel. Regardez. Ah. Oui. Vous pouvez prendre directement, regardez, Ariel. Oui, mais il faut savoir combien pèse ce truc-là. Alors, regardez, on met à zéro ici avec le thé. Et hop, c'est zéro. Et vous prenez l'hydrolat de fleur d'oranger et on en met directement 30 grammes. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi la fleur d'oranger? Parce qu'elle sent très bon et c'est un tonique très doux, naturel pour la peau. Oui. Et le matin, c'est ce dont on a envie, je crois. C'est ce dont on a envie. Voilà, 30 grammes. Voilà. Et on va faire ça à chaque fois. Et à chaque fois que vous pesez un ingrédient, vous le mettez dans le gros saladier, n'est-ce pas? Vous remettez votre bol et vous remettez à zéro, en appuyant sur le thé ici. D'accord. Et du coup, vous n'avez pas besoin de la seringue, de la pipette pour l'instant. Non, mais je peux je sais que ça m'amuse. C'est mieux avec 30, la cuillère. On n'a plus la recette sous les yeux. Alors, c'est pas grave. Moi, j'aime la rose de mai. Combien, donc, 60 grammes d'hydrolat de rose de mai. Donc, la rose de mai, c'est très bien pour tonifier aussi la peau. C'est régénérant, mais surtout, elle a des vertus anti-rides. Eh oui. Elle prévient du vieillissement cutané de la peau. Eh bien, moi, je l'ai fait à la seringue et c'est beaucoup plus précis. D'accord. Si vous voulez, Ariel. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que vous ayez votre brume à la fin. Voilà, moi, je suis à 60. Ensuite, après les 60, on a quoi? Alors, ensuite, vous prenez 10 grammes d'hydrolat de carotte sauvage. Donc, la carotte sauvage, elle est anti-inflammatoire. Elle va apaiser les hydratations. Et en hiver, on est irrité. On a des gerçures. Donc, la carotte sauvage, c'est très, très bon. Donc, 10 grammes. Ça va pour tout le monde? Oui. Vous me dites, sinon je viens vous voir. Hein. Dis-moi, Sandrine, ça se trouve où tous ces trucs qu'on utilise là? Alors, les hydrolats, on les trouve sur Internet tout simplement ou dans des magasins bio spécialisés en beauté. Honnêtement, il y en a un petit peu partout et bonne nouvelle, il y en a même de plus en plus. Donc ça, moi, ça me rend heureuse et pas qu'à Paris, parce que la France n'est pas Paris, Mathias. Je viens d'Angoulême, moi, je mets 27 gouttes d'hydrolat de camomille. Mais attends-nous! Ils y sont déjà dedans. Alors, 27 gouttes d'hydrolat de camomille. Donc, la camomille, elle va apaiser votre peau. Je vous rappelle qu'on est dans l'idée de la tonifier, mais c'est aussi le matin. On a envie un petit peu de douceur et de rafraîchir, surtout en douceur. Ça va, Caro? Très bien. 27 gouttes. Et on va terminer ensuite avec le... Ça va, Ariel? Oui, mais j'ai mis un peu plus de gouttes de Cosgar. De Cosgar. Alors, c'est du Cosgar. Qu'est-ce que c'est le Cosgar? C'est un conservateur naturel qui est labellisé EcoCert. Donc ça, c'est super intéressant parce que notre brume, on va quand même la garder 3 mois. Ah oui, au frigo ou à température ambiante? Alors, tu la gardes au frais
D'accord. C'est mieux parce que comme ça, elle sera fraîche, ta brume sur la peau, c'est quand même très très agréable. Oui, mais si vrai. Vous la gardez au sec, c'est pas grave. Faut pas que ce soit chaud. Et elle prend ça, on aspire et on met là-dedans. Vous avez mis le Cosgar? Oui. Oui, super Ariel. Vous prenez, c'est enfin le moment de la seringue. Vous aspirez et vous mettez dans le petit flacon que je vous ai prévu ici. Il sert à quoi le fouet? Mathias, tu suis et ça va valoir un 10. Mais moi j'avais déjà fouetté. On va mélanger les ingrédients. Voilà. On mélange et vous le conditionnez ensuite dans le petit flacon qui est ici. Voilà. Et on fait un brumisateur, Stéphane. Et après, je mets ça où? Alors, vous avez mélangé? Oui, non, je n'ai pas mélangé. Il faut que vous mélangiez avec votre fouet. Bon, moi, je secoue. Vous mélangez. Il faut que le Cosgar soit bien homogène. Vous m'éclaboussez dessus, là, pardon, Stéphane. C'est pas grave. Donc, on mélange, et avec la pipette. Vous aspirez, vous mettez dans Stéphane, le brumisateur. Est-ce que je peux me permettre de vous brumatiser? Oui. Brumatiser, je ne sais pas. Brumiser, mais bon. Allez. Laissez-vous aller, Stéphane. Regardez comme c'est agréable. Comme la rosée du matin. Bon. D'accord. Ça sent bon. Ça sent maintenant, bon. Vous pouvez le faire sur moi. Ah, bien sûr. Voilà. Je vais vous brumer. Voilà. Ça sent bon. J'adore cette odeur. Et voilà. Alors, le geste, c'est très réussi. C'est, hein. ça fait du bien, ça rafraîchit. Qu'est-ce que vous ressentez, Ariel? Est-ce que ça rafraîchit? Eh bien, un grand bien-être. Ah, d'abord, ça sent bon. Parce c'est que ça, apaisant. Ça sent la rose et la camomille. La fleur d'oranger. Donc on a l'impression d'une rosée du matin. Je trouve ça c'était formidable. C'était le but, Sandrine. Super. Ouais. Oui, Audrey. Si on a envie, par exemple, est-ce qu'on peut le colorer un peu pour que ça soit joli dans la salle de bain? Alors moi je le ferai pas parce qu'on va quand même l'appliquer sur le visage. Ah. Donc oui. Moi, je laisserai ça neutre. En plus, c'est une brume, donc il faut que ça ressemble à de l'eau, finalement. Regardez, c'est beau. Voilà, avec plaisir, Ariel, allez-y. Voilà. Ça fait du bien, j'adore. Alors, eh bien, moi, je l'offre, j'offre ma brume à la personne qui alors, me mettra 10. Alors voilà, là, il vous achète, hein, très clairement. Attention, parce qu'il vous achète. Combien nous a coûté cette brume? Elle nous a coûté un peu moins de 4 euros. Donc, moins de 4 euros. Voilà, et on mais la c'est conserve très bon 3 marché. Mois en plus. C'est donc, formidable. C'est super cool. Et au réfrigérateur ou on va vous noter. Alors, vous pouvez la mettre au frais, comme ça, ce sera bien frais sur votre visage. Alors, Stéphane, alors, on va vous noter, n'est-ce pas, à quelqu'un qui aura gagné parmi le qui va me donner Sandrine, 10. Oui. Est-ce que, par exemple, si on a envie de changer un ingrédient pour avoir une nouvelle propriété, on peut en rajouter ou en tu peux faire, oui. Moi, je vous fais une proposition pour régénérer et tonifier votre peau pour le matin. On a testé plusieurs hydrolats et c'est cette combinaison qui me plaît. Oui. Mais si à la maison, vous voulez adapter votre brume à votre problématique de peau, vous faites ce que vous voulez. Parfait, ah, merci. Super. Avec les hydrolats, alors, les notes tout est possible. Maintenant. Les notes, oui, vous avez hâte, hein, Stéphane. Alors, mademoiselle, une note pour Ariel Dombal, s'il vous plaît. 10. 10 pour Ariel, je suis d'accord avec vous. Bravo, Ariel. Bonjour pour Stéphane Bern. Moi, ce sera un 10 parce qu'il m'a fait rire. Un 10 pour... Oh là là. Je l'ai promis. Ils sont adorables. Alors, cadeau. Merci beaucoup. Moi aussi, alors. Parce que comme j'ai le 10, je donne à mademoiselle. Je vais noter mes petits camarades. Montre-moi un bidon. Alors, faut voir un petit peu. Un 10, ça vaut bien ça. Je mets un... J'ai le droit de mettre des 10 quand même. Mais oui. Je mets un 10. Bravo. Regarde, aucune perte. Alors, très très bien. Très très bien, j'aime beaucoup l'aspect, vous voyez, on a l'impression de pureté. C'est un 10 aussi, Mathias, bravo. En plus, Mathias, il a été très assidu aujourd'hui, et ça, moi, ça me plaît. Non, elle, il faut qu'elle baisse la moyenne. Alors, je ne sais pas, parce que Caro, j'ai l'impression que... Il est parfait. Ah, il est parfait. Il est parfait. Ah, c'est un 10, Caro. Oh, mais c'est un perfect pour tout le monde. Eh bien, merci vous beaucoup. Avez bien travaillé. Merci beaucoup, Sandrine. Cher Ariel, alors, outre le fait que le 4 novembre, on ira vous voir à La Cigale, en attendant, disponible dans les bacs, eh bien, il y a Ariel Dombal and the Hillbilly Moon Explosion. Et French Kiss est disponible partout. Merci. On se retrouve demain à la même heure, au même endroit, pour deux fois plus de plaisir, des astuces, des conseils et des tests et de la bonne humeur. Merci à tous, à demain. Yeah.